Dimanche 26 décembre, en ce culte de Noël, on vous souhaite vraiment la bienvenue à tous. À vous aussi qui nous rejoignez derrière les écrans, bienvenue. C'est un jour tout spécial et on a envie de le célébrer, on a envie de l'adorer. Je vous invite à vous lever à vos places et on va avoir une louange un peu particulière. Comme vous le voyez, on est avec Géraldine, Pierre, ensemble. On va conduire la louange avec toute l'équipe en ce culte de Noël. Comme je disais avant, un culte vraiment spécial, un moment spécial, une joie spéciale et une paix toute particulière. Et on veut vraiment prier que ce temps puisse être un temps de bénédiction pour nous ici dans ce lieu, pour ceux qui sont derrière les écrans, que la paix de Dieu remplisse les foyers. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut commencer ce culte ensemble en priant et en proclamant, Seigneur, que ta paix maintenant remplisse les maisons, que ta paix remplisse ce lieu, que ta paix remplisse les cœurs. Tu es venu il y a plus de 2000 ans donner ta vie pour venir toi-même, Seigneur, apporter la paix à ceux qui te cherchent, la paix à ceux qui croient en toi, la paix à ceux qui se confient en toi. Et ce matin, tes enfants, tes fils, tes filles, Seigneur, sont unis d'un même cœur parce que tu es venu leur apporter cette paix, parce que tu es venu leur apporter cette joie. Et ce matin, les anges chantent avec nous. Loue avec nous le Seigneur des Seigneurs, le Roi des cieux, le Roi de l'univers. Et ce matin, nous allons nous réjouir en sa présence parce que sa paix a rempli nos maisons au nom de Jésus. Et tout le peuple acclame son Dieu ce matin pour la paix du ciel. Et les anges chantent avec nous et adorent le Fils ce matin. Chant de Noël un peu revisité.
un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Et nous aussi on en profite pour vous souhaiter à vous les amis un joyeux Noël. Que le Seigneur vous bénisse et fasse descendre sur vous maintenant sa bénédiction. C'est tellement une joie d'être ensemble, réunis, petits et grands. Il y a là des personnes plus âgées, il y a là des enfants dans cette salle. Que tout le monde se sente à l'aise ce matin pour louer son Dieu et chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans les cieux très haut. Une dernière fois, Gloria. S'il vous plaît, messieurs, dames, au roi des rois et au seigneur des seigneurs. On fait ça ensemble. On y retourne encore une fois. Que voir.
Thank you.
avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux. Et quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie à leur voyant-là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux, ils se prosternèrent et adorèrent. Puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du ciel leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. Car un enfant nous est donné, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour tous ceux qui l'aiment. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Venez, apportons notre adoration, apportons notre louange, apportons notre reconnaissance. Prosternons-nous devant le roi des rois, devant celui qui est admirable, qui est, qui était, qui sera tout jamais, le fils de Dieu, le roi sauveur, le roi serviteur. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui sera toujours prince.
adorons l'Esprit tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Continue à l'adorer en esprit, tranquillement, dans la paix. Simplement reprendre ce texte qui a été lu tout à l'heure. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Puis-je répéter ? La domination reposera sur son épaule. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Et Prince de la paix. Tranquillement, pendant un instant encore, admirons le Seigneur, lui qui est venu pour nous, lui qui est né pour nous. Pendant un instant, admirons celui qui est digne d'être adoré, admiré. Dans ce moment où il est présent au milieu de son peuple, il visite. Pour les uns, il devient un Père éternel. Pour d'autres, il devient Dieu puissant. Pour d'autres, alors qu'il les visite, il devient le Prince de la paix, le conseiller. Dans la douceur de sa présence, laissons-nous visiter. Laissons-le accomplir la prophétie proclamée par Ésaïe. Laissons-la prendre vie dans nos cœurs au milieu de son peuple ce matin. Plusieurs malades sont guéris. Plusieurs vies sont consolées. Plusieurs trouvent la paix. Plusieurs découvrent cette dimension de Dieu le Père. Parce qu'il est né Jésus. Il a donné sa vie, il a ouvert un chemin nouveau qui nous mène en direction de l'admirable, du Père éternel, du Dieu puissant, du conseiller, du Prince de la paix. Laissons-nous saisir par sa présence. Nos cœurs, nos vies. Je vous invite.
préparer la Sainte Seine pendant que nous chantons. Cette sainte scène. Seigneur, merci. De tout cœur, merci pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé. C'est pour cela que tu es l'enfant qui a été donné, né en Jésus-Christ. Pour nous rejoindre sur cette terre et donner ta vie pour chacun d'entre nous. Tu es l'admirable. Et ce matin, nous, ton peuple, unis dans ce lieu, nous t'adorons pour l'œuvre que tu as accomplie. Te sommes reconnaissants, tellement reconnaissants, pour cet amour qui, alors que nous ne le méritions pas, s'est manifesté au travers de ce corps brisé que tu as délibérément accepté de donner pour nous. Aussi, d'un cœur reconnaissant, nous le prenons. Qu'il soit en bénédiction pour chacun d'entre nous et qu'il révèle plus encore le Père éternel, le Prince de la paix, le Dieu tout-puissant, le Conseiller. Merci aussi pour ce vin qui représente ton sang qui a coulé pour nous. Quelle paix merveilleuse nous recevons lorsque nous savons que nous savons que nous n'avons rien à rajouter à l'œuvre que tu as si parfaitement accomplie sur la croix. Nous ne sommes pas sauvés en vertu de nos forces, de notre intelligence, de nos capacités, mais parce que Christ, tu as tout accompli. Et nous te bénissons pour ce sang versé, preuve de ton amour pour nous, preuve du tout est accompli pour nous. Nous te sommes tellement reconnaissants pour cela. Poursuivre ensemble avec un chant qu'on aimerait vous apporter. Je vous invite aussi à vous lever avec nous pour le chanter. Un chant qui s'appelle Une seule Église. Et en ce jour, c'est une joie de pouvoir nous unir ensemble autour du Roi des Rois. On aimerait le proclamer sur notre Église, sur l'Église de Christ, sur nos vies, que peu importe nos différences, eh bien nous sommes issus du même Créateur. Le même souffle nous a donné la vie. Et nous voulons le célébrer. Amen.
Nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux. Marie sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon.
enfants, je vous aime. Je vous aime, c'est vrai, vous êtes mon église, mais vous êtes surtout mes enfants. Et je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Je vous ai donné l'armure complète. Aussi, ne craignez rien de tout ce qui peut se passer dans le monde. Et particulièrement, je vous ai donné la cuirasse de la justice. Ne vous jugez pas les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et en cela, tout cet amour que vous avez pour les uns les autres, vous amènerez beaucoup d'âmes au salut à cause de cet amour qui est en vous, que je vous ai donné. Ne vous jugez plus les uns les autres. Aimez-vous seulement les uns les autres. Amen. Toi qui promets, qui promets, qui chante, qui vraiment de tout ton cœur tu te manifestes, mais tu ne mets pas en pratique ma parole, ma sainte, glorieuse. Je veux que tu sois sanctifié. Regarde à ce que tu fais. Engage-toi, mets en pratique, afin que vraiment cette paix que tu cherches, cette paix qui est vraiment, que tu as besoin, t'est accordée. C'est toi qui, par ton désobéissance, par ta lâcheté, tu promets toute chose, mais tu ne l'accomplis pas. Je suis le Seigneur qui a payé, qui voudrait te donner tout cet amour, tout ce que tu recherches, ce que tu désires. Je te le donne, mais mets en pratique ma parole et laisse les choses vulgaires, les choses vraiment de ce monde, afin que vraiment tu sois digne de recevoir ce que tu recherches, mais pas en pratique. Je suis le Seigneur qui a payé à la croix, qui t'a parlé. Seigneur, merci de tout cœur pour le privilège que nous avons de pouvoir écouter ta voix et saisir ce que tu as à nous dire. Merci de tout cœur aussi pour les offrandes que nous t'apportons tout au long de cette année qui bientôt se termine. Nous avons pu t'apporter ce que finalement tu nous as donné pour que nous puissions te le donner également. Seigneur, nous nous réjouissons de pouvoir donner. C'est avec joie que nous le faisons et nous te prions de bénir tout ce qui est apporté pour ton Église, afin que ton règne se manifeste. Je te remercie pour tous les internautes qui donnent à leurs églises. Merci parce que c'est ton Église. Comme nous l'avons chanté, nous sommes l'Église et nous nous réjouissons de pouvoir t'apporter les offrandes de ton Église afin que tu les bénisses et qu'elles participent à manifester, à continuer à manifester ta gloire et ta grâce au milieu d'elle. Merci de tout cœur, Seigneur. Sois béni et sois loué. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour ce dernier chant, « Joie dans le monde ». Le Seigneur vient, on veut se réjouir encore en sa présence. Alors on va vous apprendre un petit refrain tout simple, ok? Ça fait comme ça. Hey. On va encore une fois ensemble, c'est parti. Ah, ça commence à venir, on y va une dernière fois. Try.
chante la terre. Offre une ovation, Seigneur, s'il vous plaît, à notre Seigneur, à notre Dieu.